Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, l'Église commence une nouvelle année liturgique, un nouveau chemin de foi qui, d'un côté, fait mémoire de l'avènement du Christ, de l'autre, s'ouvre à sa réalisation finale. Et c'est justement de cette double perspective qui vit le temps de l'Avent, en regardant aussi bien à la première venue du Fils de Dieu lorsqu'il naquit de la Vierge Marie, que à son retour glorieux lorsqu'il viendra pour juger les vivants et les morts, comme nous disons dans le Credo. Sur ce thème de l'attente, je voudrais m'arrêter brièvement aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un aspect profondément humain où la foi devient, pour ainsi dire, un avec notre chair et notre cœur. L'attente, attendre est une dimension qui traverse toute notre existence personnelle, familiale et sociale. L'attente est présente dans beaucoup de situations, en partant des plus petites jusqu'aux plus importantes, qui nous impliquent totalement et dans le plus profond. Pensons parmi d'autres à l'attente d'un enfant de la part de deux époux, l'attente d'un voisin, d'un ami, d'un proche qui vient nous rendre visite de loin. Pensons pour un jeune à l'attente des résultats d'un examen important ou d'un entretien de travail, dans les relations affectives, à l'attente de la rencontre avec la personne aimée, la réponse à une lettre, l'accueil d'un pardon. On pourrait dire que l'homme vit lorsqu'il attend, lorsque dans son cœur l'espérance est vive. Et de ses attentes, l'homme se reconnaît. Notre stature morale et spirituelle peut être mesurée de ce que nous attendons, de ce que en quoi nous espérons. Chacun d'entre nous, donc, surtout dans ce temps qui nous prépare à Noël, peut se poser la question : qu'est-ce que j'attends, moi ? À quoi, en ce moment de ma vie, avance ? Vers quoi avance mon cœur ? Cette même question peut être posée au niveau de la famille, de la communauté ou d'une nation. Qu'est-ce que nous attendons ensemble ? Qu'est-ce que unit nos aspirations ? Qu'est-ce que les unit ?
Dans l'époque qui a précédé la naissance de Jésus, était très forte en Israël l'attente du Messie, c'est-à-dire d'un consacré descendant du roi David, et qui aurait enfin libéré le peuple de l'esclavage moral et politique et instauré le royaume de Dieu. Mais personne n'aurait jamais imaginé que le Messie pouvait naître d'une jeune femme humble, telle que Marie, épouse de Joseph. Et elle non plus n'aurait jamais pu l'imaginer. Et pourtant, dans ce cœur, l'attente du Sauveur était tellement grande. Sa foi, son espérance était si ardente qu'elle put trouver en elle une mère digne. D'ailleurs, Dieu lui-même l'avait préparée avant les siècles. Il y a une correspondance mystérieuse entre l'attente de Dieu et celle de Marie, la créature pleine de grâce, totalement transparente au dessein d'amour du Très-Haut. Apprenons d'elle, femme de l'Avent, à vivre les gestes quotidiens avec un esprit nouveau, avec le sentiment d'une attente profonde que seulement la venue de Dieu peut combler. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Et mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ut signe officiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tu incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Profidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père. En ce premier dimanche de l'Avent, chers pèlerins francophones, une nouvelle année liturgique commence. Elle nous rappelle que Jésus-Christ, éternellement présent dans notre vie, accomplit pour nous son œuvre de rédemption dans les actions liturgiques de l'Église. En ces jours où nous prions particulièrement pour le respect de la vie naissante, puisse la Vierge Marie, qui accueillit en son sein le Verbe de Dieu, nous aider à ouvrir nos cœurs à la lumière de son Fils, qui vient pour sauver l'humanité tout entière. Je souhaite à tous un bon dimanche et joyeux temps de l'Avent. I offer a warm welcome to the English-speaking visitors gathered here today for this Angelus prayer. Today, Christians begin a new liturgical year
with the season of Advent, a time of preparation to celebrate the mystery of the Incarnation. By the grace of God, may our prayer, penance, and good works in this season make us truly ready to see the Lord face to face. Upon you and your families, and invoke God's gifts of wisdom, strength, and peace. Ein herzliches Grüß Gott sage ich den Pilgern und Besuchern aus den Ländern deutscher Sprache. Mit dem heutigen Sonntag treten wir in die Adventszeit ein. Dies ist eine Zeit des Wartens und der Begegnung mit Christus, dem Heiland. Er wartet auch. Er wartet auf uns. Er sehnt sich danach einer Welt, die vom Leid gezeichnet ist, Heilung, Frieden und Liebe zu schenken. Öffnen wir unser Herz, bereiten wir uns durch den Empfang der Sakramente vor, dass der Heiland, König der Liebe, in uns Wohnung nehmen kann. Saluto con affetto alle peregrinos de lingua española, che partecipano in questa orazione mariana, así come a quienes que se unen a ella a través de la radio y la televisión. Al iniciar el santo tiempo de Adviento, invito a todos a intensificar la oración y la meditación de la palabra de Dios para que se avive el deseo de salir al encuentro de Cristo, que en primera venida recordamos con gozo, mientras nos preparamos a su segunda venida al final de los tiempos, con attenta vigilancia e ardiente carità. Che a Egli nos aiuti l'amorosa protezione di Maria Santissima, Virgen e Madre. Feliz Domingo! Pozdravim wszystkich Polaków. Je salue tous les Polonais. Wczoraj nieszporami i czuwaniem intencji poczęcia ludzkiego życia pour la vie naissante, nous avons commencé l'avant, przygotowania temps de préparation à la fête du Noël du Seigneur. Avec Marie qui a attendu avec amour la naissance de divin enfant, persévérons dans la prière, remercions Dieu pour le don de la vie, demandons-lui protection sur chaque existence humaine. Que puisse l'avenir du monde devenir la, dans l'avenir, le monde devenir la civilisation de l'amour et de la vie. Je vous bénis de tout corps, vous et tout particulièrement les époux qui attendent un enfant. Et pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les adolescents de l'Union pastorale de l'ESMO, près de Milan, adolescents qui se préparent à leur profession de foi. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon chemin de l'Avent. Merci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Telepace pour ses images, ainsi que Salimane qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain, pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine.